Bienvenue à tous dans cet épisode numéro 3 sur GTA V. On va continuer l'histoire, donc après avoir tout simplement récupéré le bateau, plus on la récupère ou pas d'ailleurs, on va continuer l'histoire. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire en soi, donc allons-y. Ouais non, c'est pas par là. Sortie, c'est de l'autre côté, garçon. Ok, parfait. Où est-ce qu'on va aller du coup? Je sais pas, on va sûrement recevoir un coup de fil ou quoi, j'imagine. Pour l'instant, on va se balader. Et on verra après. Pour la suite. Je crois qu'à la fin de l'autre épisode, on était... Tu étais un fils pour moi. Ça veut rien dire pour toi, employé du mois. Enfin, employé du mois, excuse-moi, mais bon. T'as un petit truc de merde, là. Ok, donc on va aller... C'est où? Ah! C'est où la carte? Là. On va aller là. Hop. Voir ce que c'est que cette chose. J'ai du mal mon cul, le mec il servait de moi, tu sais quoi? Je crois qu'on va aller voir la mare ici. Non, je crois. Vas-y. On va aller voir notre copine, je crois. Notre sœur. Je sais plus. What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. Mm-hmm. Pas mal le son, j'aime bien. Fuck. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Alors du coup, on va devoir récupérer, remorquer la voiture de son copain, je crois. D'après ce que j'ai compris. Donc allons-y. Attends une seconde. Juste un petit changement. De voiture quoi, histoire de pas rester dans cette merde que cette voiture blanche, même si c'est la voiture qu'on garde tout le temps. Wow, te trompe pas de bouton. Hop, c'est par là. Ouais, il va falloir prendre ça et aller remorquer la voiture de son pote. Hein. Vas-y. Homie. Bring it back! Allez, c'est parti. C'est pour Ismail Coutonia aussi, éventuellement, au lieu de tortiller. Hein. Allez, c'est parti. Meilleure voiture du siècle. Tourne, merci. Yo, we on that like ugly on your mama. Ugly on your mama. J'aime trop les expressions. Les expressions de ce style. Bon. Comment elle parle, comment il parle d'ailleurs. Tourne. Oh, pardon, excusez-moi. Je vais passer. Je suis en train de sauver la peau de son copain quoi. Franchement, ça vaut pas le coup moi je dis. Ouais c'est cette voiture là, voiture toute pourrie là. Move that seat back and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn Tanya, what the fuck happened to you? Alors contrôle G. Baisser. Hop. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. On monte ça et on retourne là-bas. La mission la plus dure du siècle. Faudrait juste pas que je perde la voiture, ce serait embêtant. Putain, y'a même plus de vitre ni rien quoi. Oh, t'inquiète.
And I remember you and JB before y'all was doping. Shit. Les voitures qui se balancent sur les côtés, tu sais. La physique est pas dégueu. Pousse-toi. Ouais. Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Ouais, et ma vie t'y pense. Faut bien que je vive moi aussi. Pas faire des trucs gratuits comme ça toute ma vie, quoi. Sérieux. Okay, we make the drop where they got the areas marked. Aucun respect. Lucia SP, déposer le véhicule dans la zone de dépôt, c'est-à-dire ici même. Hop. All right, sugar, you can unhook it now. H pour décrocher. H, je dis. I'll see you on the block. Merci. Anything you need, ouais, c'est ça. C'est ça. Fais la belle. Allô, ma caisse. Oui, écrasé. Elle est où ma caisse? C'est une blague? 100%! Allez! Putain, vas-y, je m'étais pris une caisse exprès et tout là. Ils l'ont prise, ils m'ont récupéré celle-là alors que c'était même pas celle-là au départ. N'importe quoi. Bon. Puisque c'est comme ça, je vais voir Michael. Là-bas, il y aura des belles voitures. Ouais, c'est ça, Tonya. Tu dis de la merde. Moi, je vais aller. Là. Exactamente. On va y aller fast and furious. Eh, hey, c'est quoi cette barrière? Rien à faire là, toi. Ouais, j'utiliserai le plus souvent possible pour aller plus vite parce que c'est quand même hyper pratique cette merde. Regardez ça. Hop. Tu veux tourner à pleine vitesse? Pas de soucis, poteau. Moi, je te fais ça quand tu veux. Tu veux éviter une voiture, éviter de te cracher. Hop, allez, on fait ça comme ça. Easy. Easy shit. Alors, je tourne là. Bon, après, peut-être pas pousser le bouchon aussi, éventuellement. Hop. Putain, j'aime trop conduire avec Franklin. C'est juste beaucoup trop bien. Hop. Olé. Faut tourner, là, les gars. Comme ça. Oh, putain, là, il va y avoir un petit virage à 180, là. Hop. Easy shit. Pareil pour là. Hop là, voilà, parfait. Putain, moi je vois quelqu'un qui conduit comme ça, mec, je l'appelle Dieu. Ça. Beaucoup trop stylé. Beaucoup trop stylé. Qu'est-ce que tu fais toi? Ouais, c'est ça. C'est toi. Hop là. Pas un seul accrochage. C'est juste beaucoup trop parfait. Bon là, ça va être plus compliqué. Enfin, je me mets droit. Wow. Ben voilà, parfait. Parfait, ça. What the fuck? Tu veux pas que je l'arrête ou quoi? Je peux, hein. Je peux le tuer éventuellement. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked up my bet. Bullshitting. It wasn't like that. You in? Fuck it. I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him. Ouais. On va pas le tuer, t'inquiète. Mais on va lui faire autre chose, quoi. Pro de tennis, mon cul, hein. On va lui faire avaler ses boules, lui. Ouais, ici, salaud. C'est un peu de musique, tant qu'à faire. Which guy? The guy I'm paying to teach her tennis. Tennis coach? Oh, that's fucked up, man. Wow! What? Putain, c'est trop bête touche. Ah, mais non, mais je conduis avec Michael. Putain, fiché. Connerie. Ah, j'avoue, mec. Allez, là! Arrêtez de me casser les couilles! Putain! Mais vas-y, c'est bon, putain. Mais non. Ouais, on va le retrouver, t'inquiète. Putain, quelle merde. Alors ils avaient prévu qu'il y ait une voiture ici, quoi. Ils se sont dit, ouais, il va sûrement tourner comme ça. On va le faire chier. Pourquoi je conduis pas avec Franklin d'abord, hein. Je conduis beaucoup mieux d'abord. Fuck it. C'est quoi cette merde? Man,
va défoncer des putains de poteaux et un mini muret, ça me défonce ma voiture comme ça là. On va lui faire peur. Même bien peur. Alors, ça va être énorme. Oh shit, Cole's doing all right for himself. Hey, asshole! You ran off before we could settle our debts! Michael, what? You got the wrong idea, man! Hey, think the world owes him a living. There's a winch in the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud. Well, there were a lot of freaking sessions, bud. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. Ce mec est vraiment un gros connard, quoi. Come into my house. Take my money and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit. Well, hey. Wait! You got the wrong idea, pal? Mm-hmm. Mm-hmm. On va te défoncer ta baraque, mec. Mais tu vas même pas comprendre ce qui t'arrive. Let's see what happens. Dude, you are properly crazy. Allez. 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 Tout ça, ça passe à la trappe. Oh oui, ça c'est beau ça. Ça va glisser comme un putain de surf. Allez! Et boum! Excellent. J'aime beaucoup la façon de penser de Michael. Il fait pas les choses à moitié, tu vois. Genre. Il baisse sa femme, il baisse sa maison, tu vois. C'est après t'es pas rendu, c'est normal, non? Yeah, fuck him. But was we really trying to pull that dude house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson. Now that's an expensive bitch ass lesson, man. Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. Yeah, he not taking no housewives back to that motherfucker. Hey, it's a service to the fucking community. J'avoue. Ouais, fait que je passe de l'autre côté, ouais. Ça aurait été peut-être une bonne idée. Donc, ouais, c'est par là. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Green light! Ah! Green light! Un mur. Martin Madrazo, fuck you! Whoa! Fuck you, bitch. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fonces dans mon exprès, c'est ça? Hey, dude's a kingpin, homie. You better hope. I ain't hoping anything. Chick was hysterical. Chill out. Hey man, that's some mean looking motherfucking essays right behind you. Oh, that was quick. All right, help me deal with this. I'll give it a go, man. Keep trying. We can handle this, right? Ok. On va juste continuer. Je vais crever. Voilà, je suis mort. Voilà, bravo. C'était pas du tout la bonne solution. Il ne fallait pas tirer. Il fallait juste conduire de manière totalement normale, tout simplement. Je suis une grosse merde, mais c'est pas grave. Et j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Parfait, excellent. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house. Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding. Non, tu vas remanger tes balls. Et moi, je vais faire mon trou. Green white. Just fucking terrified. Ça veut dire ça. What? Shit. We
got some heavies on us, homie. You kidding me? On va juste les griller, tout simplement. Dans ce cas. Wouhou! Semer les hommes de Madrazo. Bon, ça va pas être si dur. Disons que si c'était Franklin qui conduisait, ce serait plus simple, quoi. Avec cette voiture, qu'est-ce que tu veux faire, t'sais? Ah! Je peux changer. Cool. F6, je crois. Hop. Bye bye. Bitchy. Tu veux pas lui? Genre, tu vas dans le pneu, voilà, parfait. Allez, salut. Ouais, je crois, ouais. Allez, salut. Ce fut un plaisir de faire votre connaissance. C'est bon, les agriers, gros. Bah ouais, mais c'est bon, les agriers, qu'est-ce que tu fais? Juste casse-toi. Push the pedal, man, we gotta move. Shoot that gun, kid. That's what it's for. Ouais, mais c'est bon, les agriers, hein. T'as juste à partir. I think you slipped, man. Okay, we go back to my house and think about this. Wow, shit. Hmm. You did good. I mean, your aim's all over the place, but you were a help. Thanks, I guess. Hey, don't get defensive. Go to a shooting range, work on your aim. You'll do fine. Oh, fuck, man. Shit, you good? Fine as wine. I got a few knocks. You okay? I mean, you did good, kid. Man, I'm cool, man. I mean, you. Mentally. Mentally? Oh, man. I'm fucking excellent. My heart ain't pumped like that in years. Je m'étais 10 ans, ça m'a saoulé. Man, you sound kind of manly. C'est un peu la crise de la quarantaine là, hein. Le mec qui est en train de péter un plomb. We handled it. Wherever the fuck Martin Madrazo is, I've known worse. We just handled a few low-ranking crimes. We sit on it, we see what happens. Kid, there's no use. Salut. No use second guessing. C'est où, putain? Laisse-moi passer. Yeeha. Sunshine is sitting on my ass. Fuck that, I'm better than that. Damn skip, homie. Hey, what? All that knowledge up there is within and time, dog. Putain, mais cette voiture, c'est vraiment de la merde, sérieux. I bet you know some shit. Ça dérape tout seul. Pourquoi je me tape toujours les voitures de merde? There was a time, that was all I did. Shit, well, you know, I could tell you some shit too. Yeah, like what? About this city I was born and raised in. Ouais, genre t'as pas à conduire aussi éventuellement. Thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. You know who I am? Do you know who I am? Do you? Now, who are you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now. Genre, lui donne sa licence comme ça, tu sais. Maybe. Normal. Help, Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Mm-hmm. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo. Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. Did you pull an architecturally significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuild, won't she? What? Good.
and I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range. Of course. Great. Bitch. That's nice. Elle mérite quelques fessées, ça, là, je pense. Damn, you all right? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Est-ce qu'on n'irait pas braquer les banques, par hasard, éventuellement? Moi, ça me dit bien. Whatever. Whatever. Conseil conjugal. Ali. Tueur de passage. Ah, j'aurais fallu que je tue tous les mecs, c'est ça? Hello. Ouais, dommage. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. C'est un putain de hacker, qu'est-ce que tu croyais, tu sais? Qui allait pas savoir où tu vivais? Grosse blague. Alors, si tu crois que je vais prendre cette voiture, tu te fous de ma gueule, mais genre... puissant, tu vois. Celle-là, ce sera beaucoup mieux. Et on va aller voir Lester. Alors, attendez deux secondes, il faut d'abord que je regarde... combien de temps j'ai joué, parce qu'en fait j'en sais rien. Mon téléphone est actuellement dead. J'en suis à... Oh, c'est bon, j'ai le temps. Nice. Ok, on va voir Lester, donc. Qui est ici. Tiens, il est loin, ce con. Ok, buddy. C'est parti. Enfin, une vraie voiture, quoi. Ça veut pas dire que je vais pas me cracher, mais au moins j'irai un peu plus vite. Le fait de me cracher sera moins important, tu vois. Oh, le docteur, mais t'inquiète, je me sens mieux, mec. Pas de soucis. Hey. Michael, well, I'm looking through my appointment book and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc, you know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Mais cassez-vous! Michael peut maintenant quoi? J'ai pas vu. Là il se passe un truc, mais c'est pas sur la même route. Donc tant pis. Tant pis. Putain, il fallait que je tombe. Putain, le merde! Calcul pourri que je fais, quoi. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'as pas honte de passer comme ça là? Au milieu de rien? Milieu de la route comme ça alors que j'arrive genre à fond en plus. Non, hop, merci, bonjour, y'a personne, si, ah, attention, et c'est la freinade, hop là, nice one. On va se garer tranquillement. Je sais pas dans quelle maison il habite celle-là, je crois. C'est pas trop tôt, c'est trop tôt pour une partie de tennis, disons que je ne trouvais pas un autre coach de sitôt. Ouais, je pense que... Ou sinon tu trouves un coach, mais il va éviter de te... Voilà, hein. Te toucher, quoi. Fuck you, Lester. You gonna let me in or what? Give me a minute. I was wondering when you'd show up. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. Yep. How do you know? Because you came here. What else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean... I need something done, you need to know something, so...
Why not help each other? Mm. I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Hmm. Look, Lester. Finally! I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Trop d'infos personnelles. Since you put it like that. Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. What the hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready okay. for the glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism, and brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Ah, j'aime bien ce type. Ça me fait rire. Ok, mec des années 80. Hein. Allons-y. Dis-moi que ma voiture est toujours là. Oui, parfait. Un peu sale, mais ça va. Pas trop défoncé quand même. Let's go again. Ah, c'est contrôle, putain. Bon, c'est beaucoup mieux que dans Watch Dogs quand même. Je suis bien content de jouer à GTA Reg pour ça, quoi. Reg pour la conduite qui est par rapport à Watch Dogs est génial, quoi. Genre, sans mentir aucune fois, je dirais que genre, c'est juste parfait, quoi. Bon, c'est pas du Need for Speed, mais en même temps, Need for Speed, c'est pas réel. Là, c'est un peu plus réel déjà, tu vois. Genre, c'est un peu compliqué, tout ça. Si tu tournes un peu trop, ça glisse. Machin. Tu fais pas des drifts à tout bout de champ. Prends des murs, tout ça. Il y a des voitures. Plus de voitures. Ah ! C'était de l'autre côté ! Terrible. Putain, pas de crash encore, mais vas-y, mais je m'améliore ou quoi ? Ah, bon. Tant pis. J'aurais essayé, c'était pas mal. Ok. Mais quoi, c'était là ? Mais il m'a dit de tourner, c'est une blague. Putain, je regarde. C'est la map, en même temps, si je la regarde trop, je vais me prendre des voitures quoi. C'est comme ça que ça se fait à chaque fois. Salut, c'est moi. Ah, mais il faut que j'aille, mais oui, c'est ça, faut que je me change. Salut les gars, je vais acheter des vêtements. Excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know. Geeky. Youth. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? Mm-hmm. What about a vest and some cargo shorts? Ok. Acheter une tenue appropriée. On va commencer par acheter un petit gilet. Oh, c'est dégueulasse. Qui c'est qui porte ça? Enfin, c'est pas dégueulasse, mais genre sur lui, ça le fait pas du tout, quoi. On va partir dans les couleurs vives, hein, histoire de faire bien tech. Voilà, très bien, bien jeune, bien tech. Ça lui va pas du tout, mais c'est pas grave. Allez, je prends ça. Article équipé, retour. Et maintenant, un short. Oh, putain de merde. Est-ce qu'on part sur du... du militaire, on va partir sur du bien blanc, ce sera parfait. Dignity aside, I think that might just work. Look at the interview. Ouais, thank you. Excuse yourself right now. Ta gueule. Get out of the fucking way.
laisse-moi tranquille. Je t'ai rien dit, tu m'attaques comme ça, ben voilà, je t'ai pris une voiture dans la tronche. Tant pis pour ta gueule. The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with oula, the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Ok. On va jouer les acteurs un peu. Ah, c'était par là. Oh dieu. Oh dieu. On tourne un peu. On va y arriver, tout va bien. Faire ce good. Ah! Fuck! En fait, le tech qui roule en Lamborghini, ça le fait pas trop quand même, en soi. Mais bon. On va se garer, tranquillement. De manière propre. Et ben voilà, excellent. On laisse la porte ouverte de Lamborghini, tout va bien. Tout va bien. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, my. You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke break's about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. I T-Temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Mm-hmm. Il est pas net. Il y a que des gens pas nets dans ce jeu. Tech evangelist when the big boy's vest. Maybe not even tech. I'll evangelize anything. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. En vrai, j'aimerais bien travailler dans un truc comme ça. Here you go. Ça m'irait. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Ah, you've been added on what this PC. What the hell? Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son okay. Codes? Start them early, bro. J'invite, c'est ça. You write your best stuff in your tweens. After that, it's ah, just a hack job. Qui c'est qui fait ça, quoi? This place is fueled by Java, bro. Scanning. C'est tout ce qu'il y a à faire en tant que tech, franchement, ça va, je préfère tech aussi, quoi. Give me the wink, bro. Et boum. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Ok, il est aussi complètement dérangé. When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Ok, Bali. Bon, on va aller voir dans la salle des data, la salle des serveurs un peu. On va aller modifier tout ça. Et après, je pense que ce sera la fin de cet épisode. Si j'ai pas déjà dépassé le temps, j'en sais rien du tout en fait. J'ai pas pu mettre mon chrono parce que mon téléphone est out. Nice. Et on se casse aussi facilement que ça. Bon, je pense que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Hein. Dude, what the fuck? You're my guy. Bye now. What the... Qu'est-ce qu'il fout, toi? Putain, les gars, ils font rien comme ils s'éclatent. Allez, salut, je viens de pirater complètement Life Invader. Let me get the door for you. Ok. If you want.
Changeons de voiture. Reste là, toi. Connasse! Putain, mais. Genre. Reste là, toi. Moi, ta caisse. Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend. Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. Now what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes. None of which interest me. Hey. I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Ah, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Ok, là, on va être en mode... On va faire du bruit un peu. On va faire un peu de bruit. Tu vas voir. Ça va être beau. Ok. Salut James Norris. Comment je fais pour l'appeler ? Ok, ça a l'air sympa. On me sort ces mots pour Facebook, par exemple, je suis pas... Mais il a l'air sympa ce type, il dit à tout le monde qu'on vole vos données et qu'on le donne à l'armée, c'est génial. Voilà la campagne de pub, quoi. Ouais, t'as l'air d'un bon vieux connard. C'est pas mal. Oh putain, d'ailleurs, merde, j'aurais dû faire un truc, je suis con. J'ai complètement oublié. Ok, gros. Il est temps de t'appeler. Comment on fait ? C'est où ? Jay Norris. Boom ! Your face, bitch ! Excellent. Faut juste que je regarde un truc. Putain, merde, j'ai complètement oublié, il fallait que j'achète toutes les actions. Pour Life Invader. Ah non, attends, c'était quoi déjà? Ah, je me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Fenêtre fermée. Temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas! Bon, eh ben écoutez, c'est très bien tout ça. Nous allons maintenant sauvegarder et arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour la suite. Tchuss!